De le sapin qui continue. Thank you.
les Pompom Girls. Alors je sais que elles ont un porte-parole. Bonsoir, mademoiselle. Alors, je voudrais juste savoir si je peux adhérer à votre club. Alors, en fait, il faut avoir 16 ans, ou plus. 16 ans, c'est bon, je les ai. Il faut être une fille ou un garçon. Je suis une fille ou un garçon. Et il faut surtout être passionné par la danse. Alors là, moi, je suis amoureux de la danse. Et par l'USAP. N'en parlons pas. Donc, si je comprends bien, je peux venir. Oui. J'aurai une robe comme ça? Non. Bon, alors, comment s'est formé votre groupe? Alors, en fait, Claudine, qui est notre responsable. On va dire qu'elle n'a pas voulu parler. et sa fille, Samantha, qui était passionnée par la danse et par le sap, ont décidé de créer un groupe de pom-pom girls pour aller sur le terrain du sap. Donc au début, on était seulement dans les tribunes, et à force de gigoter, de vous faire un petit peu remarquer, de voir que votre chorégraphie s'améliorait, ils ont dit, tiens, ces filles sont pas mal, c'est ça? Oui, surtout de persévérance, on a réussi à gravir les échelons et à arriver sur le terrain à la mi-temps et à faire deux chorés. Voilà, donc les demoiselles de l'USAP, les Pompom Girls, ça se passe à où les répétitions? Alors ça se passe à Saint-Estève, dans le local de Claudine, la responsable, où Laetitia et Samantha composent les chorés avec quelques autres Pompom Girls pour qu'on puisse aller sur le terrain et faire nos chorés comme il faut. Alors, bien sûr, ma candidature, elle n'est pas valable, mais est-ce que vous recrutez? Oui, on recrute tout à fait. Alors, mesdames, mesdemoiselles, aux Pompom Girls dès demain matin. Merci. Alors, je voudrais surtout remercier Laurent pour nous avoir invités à cette soirée et nous avoir permis de danser pour... voilà. Ben, elles reviennent tout à l'heure. Merci les Pompom Girls et à tout à l'heure.